Hey, bonjour tout le monde, chers galaxiens, chers galaxiennes, bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play sur Zelda A Link Between Worlds. Je suis vraiment très très heureux, c'est un grand plaisir de vous retrouver après un épisode très compliqué face à un ver géant, vous vous souvenez, dans le Palais des Sables, hein, c'était très compliqué et je vous dis tout de suite que j'ai eu un petit souci de capture. Alors, je vous dis, je croyais enregistrer le boss du Palais des Sables, sauf que après, eh ben en fait je n'avais pas capturé, hein, alors que véritablement je l'ai battu et j'ai sauvegardé, ce qui veut dire que je ne peux pas récupérer les amis de ma sauvegarde, hélas, donc excusez-moi, je ne vous montrerai pas comment j'ai battu les amis, le boss de ce donjon. C'est con parce que c'est vrai que quand on fait un donjon et qu'on bat pas le boss de ce fameux donjon, eh ben ça embête quoi. Donc c'est vrai que moi ça me dérange, mais je n'ai pas le choix, écoutez, alors au pire, si vous voulez vraiment voir ce passage où en fait je finis de battre le boss, donc heureusement on l'a vu, on a essayé de le combattre deux fois. Alors certes on est mort, mais au moins on a vu en quoi consistait le boss, et il n'y avait rien de plus à voir entre nous. Voilà, il n'y avait absolument rien de plus à voir, c'était pas très intéressant. Donc j'ai sauvé le deuxième sage, en récupérant aussi le tableau, et il y a eu de nouveau d'autres tout simplement. Alors, on va passer au prochain donjon, les amis, qui se situe ici. Hop, on va prendre la petite machine. C'est le palais du marais. Alors, il y a beaucoup de palais, il y a beaucoup de trucs de sable, des trucs d'eau, il y a un petit peu tous les éléments. C'est super cool. C'est moi, il y a de plus en plus d'ennemis dans le coin. À ta place, je ferai le plein de potions violettes. D'accord, va voir ma grand-mère, c'est la reine des potions. Ah mais sa grand-mère, c'est pas celle qu'il y a dans Hyrule, vous savez, celle qui... Ouais, si, je pense que si. Bon bref, c'est pas grave. Allez, on y va. Et donc, on était déjà venu ici, c'est ça le pire. On était déjà venu ici, on va tenter d'y retourner, parce que on n'a toujours pas fait ce donjon. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Fallait faire descendre l'eau. C'était ça, il me semble. Il me semble qu'il fallait faire descendre l'eau en allant récupérer le truc là-bas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ok. Et après, il fallait peut-être la baguette des sables. Il y avait une connerie comme ça. Peut-être qu'on ne pouvait pas faire ce donjon. Alors, on va aller récupérer ce qu'il faut. Alors, oula, par contre, je sais plus où c'est. Ma mémoire va peut-être me dicter où se trouve. Tu me laisses tranquille, toi. J'espère que ma mémoire, les amis, va me dicter où se trouve. Oh zut, passe par là. J'espère que... What the fuck, qu'est-ce que tu veux, toi, man? Yo, qu'est-ce que tu as? Tu veux que je m'énerve? Ouais, j'ai un petit souci parce que il fallait aller je ne sais où. Il me semble que c'était par là. Ah, je suis pas sûr du tout. Hein, c'est peut-être... Ah si, c'est ça, voilà. C'est ici et là, voilà, on va récupérer la bombe, c'était ça. Suis-moi la bombe, suis-moi. Faut pas lui faire toucher les côtés, il y avait une connerie comme ça et on l'a fait exploser après sur le rocher. Alors bizarrement, on l'avait déjà fait, hein. J'amène la bombe qu'il fallait auparavant débloquer. Allez, oula, mon dieu, laissez-moi tranquille. Non! Quel con! Enfoiré. Ah, je vais tous vous bousiller, sérieux. Je vais tous vous bousiller, c'est de votre faute que ma bombe a explosé. C'est de votre faute! Il y a un trésor. Ah bah tiens, on va faire exploser ce truc avant. Attendez, il y a un trésor. Obligé, Galaxou. Obligé. Fais exploser ce truc avant. Donc vous en faites pas, on ira au palais. Au palais après. On ira au palais, mais surtout ne pas toucher les côtés. Oui, tu veux bien sortir? Yes. Ne pas toucher les côtés parce que c'est très sensible comme bombe. Allez, viens là. Non. Dégage, dégage, dégage. Enculé. C'est pas vrai. Voilà, on a fini par l'avoir. Et là maintenant, il semble qu'on fait quoi? On frappe dessus, ouais, c'est ça. On frappe et ça explose. Ok. Ça dévoile un petit passage secret. Intéressant, on a aussi une faille ici pour passer dans notre monde. Voyons voir ce qu'il y a dans cette sorte de grotte. Déjà un trésor, c'est bien. 100 rubis, j'ai pas perdu mon temps. Ensuite, d'accord, on peut pas soulever ce truc. Bon, écoutez, je sais pas trop. Je vais pas trop m'y arrêter. On fera... peut-être... Attendez, juste un truc. Juste peut-être avec une bombe. Juste, je teste juste ça et après je m'en vais. Allez, avec deux bombes. De toute façon, si une ça fonctionne pas, deux c'est pas bon. Ok, non. Je sais pas comment avoir ce bloc. Bref, on verra ça plus tard. Si on n'est pas là pour ça, on est là pour le let's play principal. Mesdames et messieurs, toi, tu me dégages. Je me fais tuer à chaque fois les cœurs. Ouais, faut que je les tue avant parce qu'à mon avis, ils vont m'embêter après quand je vais passer. Je sais pas s'ils vont revenir. J'espère que non. Oh, mais m'énerve. Oh, pas mal, remarque, pour reprendre les cœurs. Bonne stratégie, Galaxou. Allez, donc j'y retourne. On va rechercher la bombe, les amis.
J'espère qu'on va pas se tromper de chemin aussi, parce que ça c'est assez ballot quand on se trompe de chemin. Allez, viens là, on s'en va, on va esquiver tout le monde. Est-ce qu'il y a des monstres? Laisse-moi tranquille! Voilà. Laissez-moi tous tranquilles. Laissez-moi tous tranquilles. Ne touchez pas à ma bombe. Bande d'incompétents. Il faut vraiment pas qu'il la touche. Alors, on y va, on avance. Tant pis pour les queues de monstres et tout. Attendez, lui, je vais le tuer pareil. Tu meurs. What the fuck? Non! Je l'ai fait exploser. Attendez, c'est bien tout ça, mais par où faut que je l'amène? Parce que là, c'est bloqué, du coup, on a un rocher. Ouais. Ah mais oui, c'est vrai que les gros rochers, on peut les enlever. Ah ouais, c'était pour ça. C'était pour ça peut-être qu'on pouvait pas continuer. Alors attendez. Ok, je vois. Et après on l'amène ici. Ouais d'accord, bah c'est pas compliqué. Ok, on a compris le chemin. On y va, les amis. On y va tranquillous, on amène la petite bombombe. Et on pourra la faire péter. Ça c'est bien. Eh oui, de temps en temps dans les jeux, les amis, il faut attendre un petit peu. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que je le sais, mais bon. Hop, et oui, du coup, qu'on a récupéré, vous savez, dans le donjon du palais des sables, le truc pour sauver les pierres maintenant. C'est tranquille. Oh, première fois que je passe en plein milieu. C'est bon, ça. Oula, je prends des risques, là. Vite, on passe, Coco. Toi, je te tue avant. Parce que j'ai pas confiance. Allez, bon, c'est quand qu'il meurt, c'est quand qu'il se fait toucher, lui. Voilà, faut le prendre un petit peu sur le côté. Ah, oh putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ok, on y est. Ensuite, toi. Toi. Je sais pas si ça, ça en fait partie, je pense pas. Oh putain. Dégage. Yes, on y est. Allez, arrive là, arrive là, arrive là. C'est joli. Go! Et voilà! Amène-moi l'eau. Donc normalement, ça fait descendre l'eau. Voilà, si je suis pas trop bête. Nickel. Et il m'a frappé, j'ai pas eu le temps d'esquiver. Il est en train de me tuer, cet enfoiros. J'y crois pas, il me faut des cœurs. Il me faut des cœurs avant de rentrer dans le donjon, s'il vous plaît. Possible d'avoir des cœurs? Des cœurs! Non, pas toi. Toi, tu es pas un... T'as pas une tête de cœur, t'as pas une tête de porte-bonheur non plus. D'accord, bon, ils veulent pas me donner des cœurs. Ça commence bien, mesdames et messieurs. Je suis à court de vie. J'ai pas envie de commencer le donjon comme ça, en fait. Le donjon à court de vie, c'est un peu dangereux, voyez-vous. Juste... Yes. 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 On essaie d'en récupérer là, sans rien user. Ah, peut-être là. Eh, pas moyen, tout à l'heure j'ai eu 50 cœurs et là j'en ai 0. Vous y croyez, vous? C'est incroyable. Ah, ils sont pas généreux au niveau cœur, hein, aujourd'hui, là. Jusqu'en... J'en ai... C'est pas vrai. Oh, d'accord, ok, on se casse. Laisse tomber. De toute façon, on va rester à 2 cœurs, c'est pas grave. Si on meurt, on meurt, hein. On va pas non plus s'énerver, mon Galaxou. On y va. Ah, on fait déjà un de plus. Déjà, ça te prie. Et on avait aussi récupéré un réceptacle de cœur, je vous l'avais pas dit, au Palais des Sables. Ça, c'est intéressant aussi. Il faut le spécifier. Alors, par contre, comment je passe en face? Comment je passe en face? Eh, mec! Vous êtes gentil, vous, mais il n'y a pas de ponton? Attends. Ah, d'accord. Ah, non. Je croyais que c'était ça. Ok. Et maintenant? Ah oui, d'accord, on peut monter par les échelles. Merde. Ah mais du coup maintenant que c'est... Ah, faut peut-être passer par... Par là? Non. J'ai pas tout compris là. Comment je fais? Peut-être... Ah mais oui! Avec le grappin. Putain, j'ai mis un moment avant de comprendre ça. Ah ouais, c'est vrai qu'on va servir du grappin pour cet épisode, j'y avais pas pensé. Alors on va sauvegarder les amis. Voulez-vous sauvegarder? Oui, je sauvegarde avant la suite. S'il te plaît mon coco. Je sauvegarde avant la suite, avant le donjon. Sauvegarde terminée. Et maintenant, on y va, mesdames et messieurs. Ça va envoyer la sauce. C'est parti. Donc, on est en vélo. On n'a pas Angelo, on a en vélo. On a Link ici, le personnage de Link. Ah, Palais du Marais. Ça y est. On l'a jamais fait, effectivement. Je me demandais si on l'avait fait, mais non. Je vous confirme que non. Hop. Allez. Tire-moi ce petit levier.
Alors... Intéressant. Et alors? Et alors? Ah oui, ça nous permet d'aller sur les côtés. C'est déjà ça, vous me direz. Alors... Ouais, c'est juste ça. Attendez, il y a des crânes. Il y a des crânes, je fais attention à tous les objets qu'il peut y avoir dans le donjon. Comme ça, je pourrais récupérer des cœurs. Ça peut être utile. Ah, il y a une porte ici. Oula! C'est quoi ce bordel? C'est un poisson pique! Un poisson qui pique. Ok, oula, ça a l'air compliqué ce donjon. Il m'a l'air plus compliqué. Oh putain! D'accord, faut pas aller dans l'eau. J'ai compris. Il ne faut pas aller dans l'eau. Est-ce que les trucs s'enfoncent? J'ai pas l'impression. C'est le genre de truc qui va m'embêter, mais grave ça. Vite, faut. Vite sortir de l'eau. Ah ouais, d'accord, c'est chaud! Ah ouais, je vois. Ah, j'aime pas ce donjon! J'aime pas ce donjon, les mecs. C'est pas pour moi, ça. Pourquoi tu veux pas t'ouvrir, toi? Hein? Ce coffre ne veut pas s'ouvrir. À mon avis, on peut pas l'ouvrir, il faut faire tomber de l'eau ou un truc. Ah ouais, fais péter. Est-ce que ça fait quelque chose? Non. J'ai pas tout pigé. Alors, j'ai pas tout pigé. On va voir. Bon bah écoute, on descend. Oula, compliqué ce donjon. Alors là, ou alors c'est moi qui ai du mal à réfléchir, j'en sais rien. Aïe, électricité. Oh, une clé magnifique. En tout cas, il est joli. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ça, c'est vrai qu'il est joli. Allez. Faut le marteau, non, ici? Faut quoi? Attendez. Ah mais oui, d'accord. C'est vrai qu'on peut se diriger là-bas. J'avais oublié. Oh là, il y aura un truc avec une question de temps. Je le sens bien, le coup comme ça. Oh putain. On peut pas tirer... D'accord. Ah, il me faut l'arc. Ah, heureusement, je l'ai. Oh là, ça y est. Oh, le mec, il s'est pas visé. Ah mais d'accord. Ah ouais. Il est pas sur le même... C'est con, ça. Alors. Ça, c'est très con. Très, très con. Ah ouais. Le coffre m'empêche d'y aller. Ah ouais. On peut pousser les ennemis comme ça. D'accord. What the fuck, man? Ouais, alors je sens que je vais avoir du mal pour ce donjon parce que là j'ai pas tout compris. Ouais, j'ai pas du tout compris. Pour être franc avec vous, hein, pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à comprendre. Oula! Voyons voir. Un trésor, c'est déjà ça. La boussole, ah, ça va m'aider. En tout cas pour les trésors et pour les clés. Ah d'accord. Donc là, il y a une clé. Pas facile ce donjon. Hein. Il y a une porte de ce côté. Je manque de skill. What the f... D'accord. J'avais pas vu ça comme ça, mais on peut le voir comme ça. L'appareil. Oh putain! D'accord. Oh. Ok, je vois. Là, on est obligé de se diriger comme ça. Il me faudra des cœurs. Ah oui, mais avec le grappin, on peut activer ça aussi. Ah, mais d'accord, j'aurais pu l'activer aussi avec l'autre. Ah non! J'ai esquivé, normalement. J'aurais pu esquiver ça avec l'autre aussi. Donc, comment on fait pour monter là-haut? Ah ouais. Il y a une autre porte. Ok. On va repasser par là. C'est chou. Il faudra absolument qu'on récupère des cœurs. Mais what, quoi? Et là, non, j'ai toujours pas le coffre. Nom de Dieu. Ah, mais putain, vas-y. Ils sont chiants, je vous jure, ils sont chiants. C'est quoi ça? Des monstres marins partout, il y a du feu. Ok, alors le feu, je sais pas comment on va l'éteindre. Ah, mais je me retrouve au début, là. D'accord.
Ah là là, je vais mourir. Je vais mourir. Attendez. Je vais me choper le truc là. C'est pas là qu'il y a le cœur ? Si, au moins un petit cœur quoi. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Filez-moi un cœur. Ok, alors là, il n'y a pas de grappin. Ah, il y a une porte là-bas, d'accord. Il faudrait reprendre par la droite. Mm-hmm. Ah, un cœur, merci. Ah, là, il y a une clé. On va trouver le moyen, vous en faites pas. On trouvera le moyen. What? Putain, la vache. On peut pas ouvrir les coffres qui sont par là, en fait. Donc, il faudrait en de vélo. Ouais, moi, j'en déduis ça. Tant qu'on n'enlève pas l'eau, ça va pas le faire. Il y a des coffres partout. Il y a vraiment aucun moyen de l'ouvrir. Faut faire baisser l'eau pour avoir tout ça. Trouvons un moyen, les amis, de faire baisser l'eau. Et donc là, du coup, c'était avec le grappin que je ne savais pas tout à l'heure. Non. Non plus ? Mais what, quoi ? Attendez, mais... Vous êtes sérieux? Ou alors? Non, bah, faut pas. Pas possible que ce soit ça. Non. D'accord, j'ai perdu un cœur juste pour ça, superbe. Allez, fonce là-bas, toi! Non, c'est pas ça non plus. Je comprends pas. Je sais pas comment. Parce que là, l'eau va peut-être monter. Pareil, là, l'eau, faudrait monter. Alors, faudrait baisser l'eau dans l'autre salle. J'ai du mal à comprendre là, franchement je sais pas, je sèche. Là on connaît. C'est toujours fermé, évidemment, on n'a pas de clé. C'est logique. Ici. Eh bah. Oh putain, il y en avait deux petits, j'y crois pas. Heureusement que tu me ramènes un cœur, toi. Hein. Là on peut pas. Il y a une clé aussi en haut. Toutes les portes sont fermées, évidemment. Là, il y a un truc, mais qui me sert à je ne sais pas quoi. Là, on a activé. Ce qui a fait descendre l'eau. Ouais. Mais... Oh, mais quel con! Ouais, du coup, on a la clé. Oh là là, mais je suis pas doué, mesdames et messieurs. Je n'avais pas vu. Mais je n'avais pas vu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, tu descends. Ah mais c'est vrai que ça vole ces trucs, nom de Dieu. Alors. Voilà, ok. Là ça... Ah oui, ça change de directivité au niveau de l'eau. Super. Tu meurs. Mon cœur. D'accord, donc là on a compris. Ensuite. Est-ce que je peux t'embêter toi un petit peu? Ah, ça meurt pas en fait, même si on peut lui en foutre tant que... Non, non, non. Vite, vite, vite. Putain, j'ai cru qu'il allait me faire mourir. Ah, mais d'accord, il y a un truc en haut. Tac, 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 tac. Voilà. Oh, des cœurs, c'est bien ça. Alors là, c'est toujours fermé. Il faut mettre ce truc. Alors, ok. Je vois, c'est fait exprès pour nous foutre les boules, ça. Ah. Voilà. Parfait, ça va refoutre l'eau. D'accord. Et on va pouvoir aller à gauche. Ok, je vois un petit peu le délire. Je passais par là, moi, pour esquiver tout ça. Hop. Oui. Youhou. Yamaha. D'accord. Donc là, c'est bon. Et maintenant, voilà, on vient ici. C'est bien foutu, remarque. Et elle a failli passer en mode électricité. Oh, j'ai presque récupéré tous mes cœurs, c'est bon, ça. Et là, hop. Retoboggan. Ah ouais, ça va nous amener jusqu'à la porte. Dans la piscine géante. Superbe. Non, pas vu que c'était un trou. Ah là, donc du coup, bah, on est obligé de faire comme ça, bizarrement. Allez hop. Wouhou. Youhou. Ok. Bon, on pouvait passer aussi par où on était venu, hein. Ça c'est sûr. Allez, rez-de-chaussée. Mon Dieu. What? C'est pas le boss, ça? Ah, on peut les toucher comme ça, ok.
Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tu te fous de ma gueule ? Oh là là, d'accord. Vaut mieux rester écarté. Attendez. On va utiliser le grappin, hein, tranquille. On va pas s'user. Moi, je vous dis, on va pas s'user la nénette. Ah, j'ai plus de pouvoir. Autant pour moi. Allez. What the fuck? Ah ouais, d'accord. Salut. Bam. Salut. Salut. Bam. On fait sauter les petites méduses. Wouhou. Wouhou. Énorme. Je fais sauter les méduses. Aïe. Je vais reprendre un petit peu des cœurs si possible, si je trouve. Vas-y, arrêtez. Hop là. Hop là. Voilà, vous êtes mort. Bon, au pire, les bombes sont illimitées, donc nous, ça nous fait rien. Évidemment, je tiens à le préciser. Allez, donc on ouvre deux portes. On va essayer de se choper tous les trésors quand même, ce serait pas mal. Au moins de choper tous les trésors. Alors comme d'habitude, on fera les amis deux parties pour le donjon, hein. Je pense que vous connaissez, donc à part s'il est vraiment très rapide, mais là j'ai mis un moment, les amis, pour comprendre ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, du moins. Donc là, on va pouvoir retourner, mais avant, je vis ici. D'accord. Ah ! Tac, alors là... C'est un trou ? Mais c'est un trou spécial ! Attendez, on va y aller. C'est un trou spécial ! Moins un. Oh... Ah yes! D'accord. Ouais, ce sera sûrement pour un trésor, ça. On n'a pas la clé, du coup. Ouais. Donc. Donc, je sais plus du tout où il fallait aller, du coup. Ça m'a perdu, tout, ces conneries. Ah! D'accord. Ouais. Ok, je vois. Enfin, je vois oui et non. On va retourner là-bas. Et là, on va aller ici. Et là... On va aller là-dedans. Il me semble que c'est là. Ouais, voilà. C'est là où on était tout à l'heure. Ok. Ouais, donc on va retourner. On va prendre ce truc. Ok, parfait. Ah, ok, on revient ici. Ouais, à la salle principale. Je fais merde. Je vais remettre le... Le grappin. Alors, faut réactiver ce machin. Faut remettre l'eau. Bah apparemment oui. Écoutez, c'est bien. Alors, on y retourne, mesdames, messieurs. Retournons-y. Il n'y a qu'une porte en même temps. Là, on va aller à droite. Il y avait un trésor à droite. Donc, le trésor. Toujours pas le trésor. Dépêche-toi. Oh, j'ai esquivé, magnifique. Ça, c'était du professionnalisme. Et je ne sais toujours pas comment avoir ces trucs. Faudrait baisser l'eau. Ah, attendez. Ouais, je fais ouais, mais non, en fait. Attendez. Et si on... Mais non, mais ça baisserait pas l'eau. Non, c'est pas possible. On va passer par la gauche. Oh putain, on l'esquive de malade. Ah non, chaque fois c'est lui. À chaque fois c'est lui qui me fait avoir. Putain, mais je sais pas comment passer en face, bordel. Je suis paumé ou quoi, sérieux? Pourtant j'avais compris tout à l'heure, mais là je ne comprends plus. Non, il faut que je me récupère là, faut que je réfléchisse. Il y a une clé là, hein. Alors ça on peut toujours pas la voir. Je le sais. Je le sais qu'on peut toujours pas la voir. Attendez, peut-être qu'il faut déplacer ce... D'accord. Ok. Oh putain. Oh mais... Tu vas m'énerver, toi.
Alors. Ouais. Ok. Et ça consiste en quoi, là? Ah, pour les trésors! D'accord. On peut pas viser par... Non. Nom de Dieu. On peut pas viser par hasard. Ah, d'accord. Mais les mecs, fallait me le dire. On va se faire tout droit. Putain, eh, je suis pas doué. Hein. Voilà, on va repartir par là. Ouais. D'accord, eh ben là. Attendez. Ouais. D'accord. Ouais. Je vois. Ensuite là. Ouais. Et voilà. J'ai le rubis. Je suis pas sûr qu'on était censé le faire comme ça. Dégage. Dégage. Au moins, je l'ai. Ouais. T'as qu'on se dirige par là. Faudrait avoir le deuxième. On va, ouais, se diriger là-bas. Juste là. C'est un peu au pif. Merde ! Je veux le truc, moi. Alors d'abord là. Et ensuite là-bas. Et ensuite ici. Ah si, c'était bien ça. De toute façon, c'est le seul moyen, je pense. Tac. Voilà. Joli. Un foie de monstre. Mais dis donc, c'est pas pour ce qu'il y avait dedans que... Ouais. Ouais, ouais. Moyen, quoi. Attendez. Et comment... Ça résout pas l'histoire du... De cette clé, là. Non, mais pour la clé, il faudrait arriver en haut, je pense. Bon, ceci dit, ouais, comme je disais, ça résout pas l'histoire de la clé, hein. Mais alors, pas du tout. Ouais. Compliqué. Ok, on va aller par là. D'accord, par ici. Rien de bien spectaculaire. Ouais, même rien du tout de bien spectaculaire. Je suis en train de réfléchir encore et encore à... Les amis, à ce qu'il faut faire, mais... C'est vrai que c'est... C'est pas donné, quoi. C'est pas... Enfin, c'est pas flagrant. Voilà, je pense que... Bah du coup, maintenant qu'on a compris ce principe de... Attendez, est-ce qu'on a quelque chose là? Non. Je pense que maintenant qu'on a compris ce principe de bateau, enfin de canot, là... Ah! Rrr. Ouais, mais bon, là, il n'y a pas de canot ici. Hélas! Faudrait faire monter l'eau, hein. Faudrait faire monter l'eau, je sais ce qu'il faut. Je visualise. Alors, en fait, je vous explique. Je visualise exactement ce qu'il faudrait faire, mais je ne sais pas comment le faire. C'est ça, le truc. C'est ça au final qui me fait chier. Attends, mais t'es pas sérieux là. Faudrait monter. Aïe. Je sais pas. Oh, mais je sais pas, je comprends pas. Et ici pour aller en face là-bas. Là c'est fermé. Là on retourne ici. Aïe, ça pique. C'est pareil. Forcément, on redescend. On n'a pas le choix, là. Bon, alors, écoutez. Là, moi, je coince. On est avec un radeau. Mais je trouve rien de plus. On fait comme ça, ok. Voilà, on est d'accord. Ensuite, on fait comme ça. On fait comme ça, non, on peut toujours pas y aller. Putain de clé, elle est juste là. Je crois que c'est le donjon le plus rageant de toute la galaxie. Oh my god. Oh my god. Mais celui-là aussi. Oh putain. Il y a un truc là. C'est un truc tout con. Je sais que c'est un truc tout con. Je le sais et je le vois déjà que c'est un truc tout con. Et ça m'énerve. Ah mais...
Ah non, c'est pareil. Bon. Je sais pas. Non mais là aussi, faut faire monter l'eau. C'est une histoire de faire monter l'eau. C'est le bouton rouge qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Je suis sûr que c'est le bouton rouge. Je sais, les amis, que c'est le bouton rouge. Bref, bah écoutez, ce qu'on va faire, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je ne vais pas trouver, de toute façon, je me connais. Je ne trouverai pas quand je bloque. Et c'est même pas la peine de réfléchir. Ça va m'énerver. Plus qu'autre chose, je m'excuse et on reprendra dans la deuxième partie. Au pire, vous savez quoi? On fera tout d'un coup, même si l'épisode dure 2 heures, on fera tout ce donjon, toute la fin du donjon, enfin toute la grande partie qu'il reste, parce que là on n'a pas fait grand chose, du donjon la prochaine fois, parce que là je bloque et ça me saoule cordialement. Voilà. Allez, merci à tous, vive le jeu vidéo les amis! On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Zelda A Link Between Worlds. Allez, c'est tout le monde!